Fanta, réponds-moi. Lâchez-moi, vite. Mistral, pourquoi tu t'es enfui? Mais pourquoi vous m'attachez? Lâchez-moi. Où est Fanta? Où est Fanta? Amenez Fanta. Voilà ton cher ami qui arrive. Fanta, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Partez les gardes, s'il vous plaît. Restez quand même pas trop loin pour garder un œil sur Fanta. Décrochez-moi vite! Alors, à ce qu'il paraît, tu fais partie des Zéphyrs et tu vas être le nouveau chef. On va t'exécuter si ta mère veut te reprendre. Sinon, tu resteras dans le groupe des Blackjack. Monsieur, désolé de vous interrompre, mais quelqu'un voudrait vous voir. Entrez. Fanta, Fanta, mais qu'est-ce que vous avez fait? Fanta, ça va? Qui êtes-vous? Je suis la mère de Fanta et je veux le récupérer. Si vous le récupérez, on l'exécutera. Si vous nous le laissez, il restera dans le groupe des Blackjack et ne sera pas exécuté. Mais vous devez me le rendre. Alors, faisons une guerre. Non, pas de guerre. Si. Ok. Vous ramenez votre clan ce soir. D'accord. Allez, viens Fanta, on y va. Non, 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 celui-là, on le garde jusqu'à la fin de la guerre. Emmenez-le dans le cachot. Pauvre Fanta. Je vais prévenir mon groupe. Pareil. J'ai peut-être fait une bêtise, mais bon, on verra bien ça. Hé, hey, tout le groupe, je dois vous dire quelque chose. Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez-moi. Mettez-vous en ligne. Chevaux, étalons, juments et poulains. Non, il n'y a pas de poulains du coup. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe? Comment dire? J'ai peut-être fait une petite bêtise. Comment ça? En fait, pour récupérer Fanta, nous devons faire une guerre. Et ce soir, nous devons tous se ramener pour faire la guerre. En tant que chef, je suis d'accord. On va faire la guerre. Et on va directement faire une stratégie. Tout le monde en position de stratégie. Bon alors, moi je vous propose ça. Oui, mais c'est peut-être un peu dangereux quand même. Ouais, c'est vrai. On devrait faire la même chose, mais moins risqué. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est mieux. Mais il faut quand même prendre des risques pour gagner la bataille. C'est vrai que sans Fanta, nous n'avons pas de poulain. Et sans poulain, ce n'est pas vraiment un troupeau. Ouais, c'est vrai. Bon bah alors, on va faire ce plan. Je suis d'accord. Mais on a intérêt à faire attention. Oui, très attention même. Tout le monde en place. Alors, les deux étalons seront derrière moi. Donc ce sera Ouragan. Voilà. Et Aramis. Ensuite, on va mettre une jument, Luna. Tu vas te placer tout au milieu. Et Mirage, toi, tu vas te mettre sur le côté. Je sais que t'es une bonne guerrière, quand même. Ok. Rainbow, de l'autre côté. Non. Rainbow, toi, tu vas te mettre au milieu. Au moins, toi, tu récupéreras ton enfant. Du coup, comme on a dit, pendant que nous, on attaque. Tu as vu où était le cachot, hein? Oui, oui, j'ai très bien vu. Par contre, il est très bien sécurisé, donc nous devrons faire attention. Attention. Mid-check au milieu. Enfin, check. Ouais, Mickey. Diamant pareil et Orangina
Tu te mets sur le côté. Tu fermes la garde aussi. Tout le monde est prêt pour la guerre? Wouh! Pendant ce temps, on va les écraser. On va les écraser. On va les écraser. On va les écraser. Que ce soit des juments ou des chevaux étalons, on va gagner. Que ce soit des juments ou des étalons, on va gagner. Que ce soit des juments ou des étalons, on va gagner. Les plus forts devant. Je vais mettre deux juments devant le cachot. Non, pas de juments devant le cachot. De toute façon, ils sont attachés. Les deux clans étaient préparés à la guerre. Les Blackjack contre les Saphirs, les Zéphirs. Qui allait gagner ça? Vous ne le savez pas. Là, ils étaient déjà à une très bonne distance. Mais ils étaient déjà énervés. On met notre plan en place. C'est parti. Allez, à l'attaque! Oui, on arrive, chef! À l'attaque! Attention, il ne faut pas te faire remarquer. Pourquoi ils ne s'approchent pas? Ils essayent peut-être de nous distraire. Restons arrêtés aussi. Bonne idée. Qu'est-ce qu'ils font? C'est parti. Oui. À l'attaque. Chaque minute compte, bien sûr. Hein, n'oubliez pas ça. Chaque minute compte. Et chaque seconde est importante. Le moindre faux pas et notre plan est fichu. C'est bon, ils ne m'ont pas vu m'enfuir. Vite, je vais chercher mon enfant au cachot. Fanta, Fanta, retourne-toi. Maman, tu es venue pour nous sauver. Plutôt pour te sauver. Non, il faut aussi sauver Lucky. Je te dis, il m'a appris beaucoup de choses. Sauve-le avec nous. Ok. Les enfants, restez derrière moi et dès que je vous dis go, vous courez aux terres, des Zéphirs. Ok, ok. Attention, elle s'enfuit avec tous les poulains. Go, Fanta, vas-y, montre le chemin à Mistral. Vite, il faut arriver aux terres à temps. C'est bon, on est arrivé. Tu connais mieux les terres que moi ou quoi? Tu sais, j'ai rêvé d'aller sur vos terres et une fois je suis rentrée. Allez, vite les enfants, on va se cacher. Vite. Essayez pas de vous enfuir, vous. Les Zéphirs étaient totalement impuissants face au Blackjack. Aucun Zéphir ne savait se battre. Ils cherchaient juste à s'enfuir, à courir, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas éviter cette grosse bataille, cette grosse guerre. Personne ne pouvait l'éviter. Mais c'est surtout que le chef là mourut pendant cette guerre. Le chef n'en pouvait plus et les Blackjack l'ont tué. Enfin, c'est ce qu'on pensait. En tout cas, il était très blessé et seulement les Zéphirs pouvaient les sauver. Mais les Zéphirs étaient presque tous allongés par terre à ne rien pouvoir faire face aux Blackjack. Après une heure de guerre, les Blackjack décidèrent de repartir. Et ils ont bien vu que les Zéphirs étaient totalement impuissants. Alors pour eux, les guerres contre les Zéphirs, c'est de la rigolade. Ils partirent tous. Les Zéphirs avaient réussi à sauver le chef. Mais son fils venait d'avoir 5 ans. Alors il devait prendre les responsabilités et devenir roi. Mais il avait tellement peur de toutes ses responsabilités que il décida de parler de ça à tous les Zéphirs. Il fit une annonce très choquante à toutes les juments et les étalons de ce troupeau. Je sais que je dois devenir chef, mais j'ai tellement peur de toutes ces responsabilités. Je sais que je veux accueillir Mistral. Je sais que c'est un Blackjack, mais il m'a appris que ce n'était pas la robe qui était le plus important, c'était le cœur qu'il choisissait. Et lui, son cœur, était du côté des Zéphirs. Car sa maman fait partie des Zéphirs et elle se reconnaîtra sûrement.
parmi tous ces chevaux. Personne ne sait qui est la maman, sauf elle. Cette fille qui l'a fait naître. Et je ne sais pas si elle l'avouera un jour, mais voilà. Alors, j'ai décidé que Mistral devienne le chef de notre groupe.